Mesdames et messieurs, la maîtresse de cérémonie d'ouverture du 25e Montreux Comédie Festival, Mademoiselle Caroline Vigneault. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Ladies and Gentlemen, bonsoir. Good evening. C'est le plus grand honneur qu'il m'ait été donné jusqu'à présent dans ma vie de vous accueillir ce soir et de vous souhaiter la bienvenue au 25e anniversaire du Festival de Montreux. J'en tremble. Pas seulement parce que je ressens avec intensité les effets secondaires accompagnant le prestige, ou plutôt le vertige de ma situation. Non, pas seulement parce que dans un instant, viendront me rejoindre sur cette scène des artistes. Non, si je vibre autant, c'est parce que vous attendez tous. Mais que tu fermes ta gueule ! Oh là là ! Mais qu'est-ce que c'est que cette merde ? Mais ta robe, on dirait un poulpe mort ! Mais qu'est-ce que c'est ? Mais les drapés, les lustres, mais on s'emmerde! Les gens se suicident! Regarde, les gens se jettent du balcon! Mais on se fait chier, Caroline! Qu'est-ce que tu fais? Mais tu m'as dit, c'est le 25e anniversaire du Montreux Comédie Festival! Mais oui, de Montreux! Pas de Cannes! Tu crois que t'es à Cannes? T'as vu la gueule du public? Tu entends leur second degré? Tu vois comme ils sont fringués, mais enfin, tu vois un point commun entre le public de Cannes et le public suisse? Bah oui, quand même, hein, quand même. Oui, parce qu'ils sont racistes, d'accord, mais enfin. Ça suffit pas, Caroline. Caroline, Cannes. Cannes, c'est la classe, Cannes. T'es déjà allée à Cannes? Non. Moi, je suis déjà allée à Cannes. On m'a invité au dernier festival de Cannes. Je suis allée dans le restaurant le plus chic de Cannes. On m'a apporté un plateau d'huîtres. Et dans chaque huître, il y avait une perle. Non. On est à Cannes, il y avait un collier de perles. Et une prostituée thaïlandaise. Dans l'huître. Et une combinaison plongée. Mais pourquoi faire? Au cas où t'as envie de plonger. Bah, c'était quand même une grosse huître, hein, quand même. Non, c'était une toute petite prostituée thaïlandaise. C'est de la Thaïlande, c'est très jeune. Bon. Écoute, cher ami, ok, on n'a pas le luxe, hein, mais on a quand même tous les professionnels du métier. Des professionnels du métier? On est en direct sur la RTS? Il y a plus de caméramans que de téléspectateurs. Oui, bon, bah, il y a quand même aussi tous les artistes. Ah. Il y a qui comme artiste? Alors. Alors, les nominés sont... Ça ne fonctionne pas, c'est du fake, il n'y a pas de fil. Les nominés sont Anne Roumanoff, Laurent Gérard, les Chevaliers du Fiel. Mais bon, ça y est, qui commence? Qui commence? Mais je ne sais pas. Non. Le premier artiste de la soirée d'ouverture du 25e anniversaire du Montreux Comedy Festival est... Toudoum, suspense. Bon, allez, elle me saoule. Bon, qui commence, là? Qui démarre? Attends, là, où? Qui démarre? Michel Drucker, d'accord. Allez, c'est Michel Drucker qui démarre. Allez, dégage. Michel casse-toi. Drucker? Oui, Michel Drucker est drôle, tu m'emmerdes. Allez, dégage avec tout ton bordel. Mais j'ai même pas ouvert l'enveloppe. On s'en fout de ton enveloppe. Dégage, tu m'énerves. Marche pas sur tes tentacules. Alors, Michel Drucker.
Bonsoir, chers amis. C'est le retour de Champs-Élysées pour fêter les 25 ans du Festival de Montreux avec un plateau exceptionnel. Nous allons mettre à l'honneur la nouvelle scène française avec des queeneuses sans texte. Camille, la chanteuse qui pète avec la bouche. Zaz, Zaz, qui pour l'occasion aura pris une douche. C'est un événement. Elle aime tellement la nature qu'elle se balade toujours avec deux belettes sous les bras. Elle est magnifique. Zaz, si tu nous regardes. C'est vrai, les journalistes disent Zaz, la nouvelle Piaf. C'est des journalistes aussi. Hein, on l'a entendu, ça. Stromae, le nouveau Jacques Brel. On n'a pas hâte de connaître le nouveau Brassens, hein. Si vous nous regardez. Et puis c'est vrai qu'on aura droit aussi au nouveau Sinatra, Matt Pokora. La coupe de Désirless, la voix de Winnie l'ourson. Tatouée comme une porte de WC. Ah, il a beau chanter dans Rabat des Bois, c'est pas une flèche. Hein. Et puis c'est vrai que quand on veut plaire, ce genre de soirée, quand on veut plaire à Libé, aux Inrock, à Télérama, faut inviter Grand Corps Malade. Grand Corps Malade a déclaré récemment qu'il allait faire du slam dans les maisons de retraite. Ça part d'un bon sentiment. Mais imaginez ces petits vieux qui sont parfois en fin de vie. On leur amène Grand Corps Malade. Alors il va, bon, voilà ce que ça peut donner Grand Corps Malade en maison de retraite. Si je suis slamé au moment de ton 4 heures, c'est pas pour que tu me refiles ton déambulateur. Et si tu veux slammer, donne-toi tout entier. Et dans ton verre d'eau, va chercher ton dentier. Oui. Grand Corps, si tu nous regardes. Et puis, c'est vrai que quand on veut finir la fête en beauté, il faut inviter Yannick Noah. Yannick Noah, déjà qui chantait pieds nus avec ce que va lui piquer François Hollande, il va finir en slip sur scène. Alors maintenant, chers amis, pour relever le niveau, il fallait un homme de théâtre, quelqu'un qui lit les grands textes tous les soirs, et c'est Fabrice Luchini. Fabrice. C'est énorme. C'est hallucinant. Monterland a dit, il faut être économe de son mépris, étant donné le nombre de nécessiteux. Ah bon, on démarre très lourd là, hein, c'était du très très lourd. Et c'est vrai que sans critiquer le plateau de Michel Drucker, Drucker Dru, il a quand même oublié quelqu'un d'exceptionnel, quelqu'un... Bon, généralement, quand on l'invite, comme disent les gens qui parlent un français impeccable et qui vraiment... qui fait le buzz, quand on veut faire le buzz avec des people, c'est d'une laideur totale. Donc quand on veut créer l'événement avec des célébrités, faut inviter Nabila. Ah ben oui. Ah, il l'exporte, hein, c'est sympa. Hein. Vous nous l'avez envoyé. Hein. Faut inviter Nabila, mais vaut mieux avoir une armure. Une fine lame, cette Nabila, c'est dommage. Hein. Nabila, quand elle se penche sur son avenir, vaut mieux avoir la braguette ouverte. Mais... non, c'est pas sympa. Elle avait tout pour réussir, Nabila. Le QI d'un poulpe mort. L'utilité d'un bidet dans une salle de bain, mais... les tétons aussi larges qu'une pizza quatre fromages, alors là, ça aide. C'est quand même triste. Elle a commencé en silicone, elle finit en tôle. Enfin bon. On perd un grand vide, mais alors, vraiment pour relever le niveau, Valérie a dit, qui pleure là, sinon le vent simple à cette heure seule, qui pleure là si proche de moi-même au moment de pleurer. Là, je vous laisse un petit moment. Évidemment, quand je dis Valérie, c'est Paul Valéry, hein, c'est pas Valérie Trierweiler. Ah, vous la connaissez? Ah, donc oui, c'est le système des vases communicants. Vous, c'est Nabila, nous, on vous envoie Trierweiler, c'est bien. C'est la fuite des cerveaux. Après avoir lu Baudelaire, Nietzsche, La Fontaine,
Philippe Muret, Louis-Ferdinand Céline. Je vais vous lire du Trier Weiler. Vous allez voir, vous n'êtes pas déçus. Parce qu'elle n'épargne rien. Lorsqu'elle évoque le début de leur relation, elle dit, je la cite, j'ouvre ses guillemets. Un champ électromagnétique s'active entre nous. Entre nous deux. Lorsque nous sommes en présence l'un de l'autre. C'est vrai que quand on voit François Hollande, on pense immédiatement au champ électromagnétique. Hein. Non, je vais vous donner l'image. Je vous aide, je vous donne l'image. Vous voyez, Louis de Funès et Claude Jansac dans Le Gendarme se marie. Ben, c'est pareil. Hollande, c'est ça. Il arrive. Ça fait des étincelles. C'est son côté, Georges Clounet. Il peut rien y faire. Il électromagnétise, François Hollande. Le problème, c'est que ça n'a pas vraiment marché sur les Français. Je vous donne la suite. Là, il y a du très, très lourd qui arrive. Parce qu'il y a tous les détails. Même notre salle de bain était devenue un lieu de réunion. Un jour, j'ai vu Claude Sérillon y suivre le président après avoir traversé notre chambre. Alors là, c'est pareil, il faut imaginer la scène. Vous imaginez la première dame dans le pucier avec les bigoudis. François Hollande en slip. Et Claude Sérillon qui le suit pour lui faire son petit régécolore dans la salle de bain. On est dans le fédo, mais là, ça devient énorme. L'information Julie Gallier est le premier titre des matinales. Je craque, je ne peux pas entendre ça. Je me précipite dans la salle de bain, je saisis le petit sac en plastique qui contient les somnifères. François m'a suivi, vous suivez toujours, hein, vous le voyez. Il tente de m'arracher le sac, c'est un violent, hein, Hollande. Hein. Je cours dans la chambre, il attrape le sac qui se déchire, là on est, c'est énorme. Les pilules s'éparpillent sur le lit et le sol. Je parviens à en récupérer, vous imaginez la scène quand même, hein, c'est la première dame. J'avale ce que je peux. C'est pas gentil pour lui non plus. J'avale ce que je peux. Je veux dormir, je ne veux pas vivre les heures qui vont arriver. Alors là aussi, bon, on a la scène, hein, on fait preuve d'imagination. On a toujours Hollande en slip avec une seule chaussette qui court autour du plumard. Après la Valérie hystérique en nuisette, Claude Sérillon, lui, s'est déjà planqué, il est déjà plus là. Et là, tel Gérard Jugnot dans Le Père Noël est une ordure, vous vous souvenez, elle prend les capsules et « N'approchez pas ou j'avale tout !» C'est énorme. Mais alors, la plus grande phrase, c'est celle-ci. Je vous la livre tout de suite. Ça, c'est désopilant. Il me dit qu'il me regagnera comme si j'étais une élection. À mon avis, c'est pas gagné. Hein. Merci, Fabrice. Alors, pour terminer, notre invité d'honneur, il nous revient de son sud-ouest natal avec son accent qui fleure bon le cassoulet, pour terminer sur une note légère, chanson. Francis Cabrel, nouvel album avec ses thèmes fétiches, les cailloux, les pierres, les galets, les rochers. Et une version toute nouvelle et écolo de La cabane au fond du jardin qui devrait faire plaisir à José Bové, La cabane version toilette sèche. Francis Cabrel. Cabane au fond du jardin, elle pollue de moins en moins. Pour respecter la nature, on fait caca dans la sûre. Et après on récupère pour faire pousser des légumes verts. Mais ça donne un drôle de goût à mes salades et à mes choux. C'est que du bio, hein. Ils sentent bon le colombin. Les légumes de mon jardin. Ma cabane au fond du jardin n'est pas très solide, j'en conviens. Il faut faire très attention quand on baisse son pantalon. Un jour, je suis tombé au fond. Je peux vous dire, ça sent pas bon. Quand on m'a sorti de là, j'étais couvert de chocolat. Avec la sueur, on aurait dit un crunch. Mais malgré tout, je l'aime bien.
ma cabane au fond du jardin. Et même si on la détruisait, je l'aimais, je l'aime et je l'aimerai. La cabane de José Bové. Bon anniversaire, Montreux. Merci beaucoup. Merci. Mesdames et messieurs, Laurent Gérard. Merci beaucoup. Accompagné par l'orchestre de Frédéric Manoukian. Merci beaucoup. Lady Vandenman, Laurent Gérard. Waouh. Ouais. Waouh. Oui, oui. Waouh. Ouais, ouais. Quelle intensité. Quelle émotion. Oui, okay. Ce rire brut sur cette scène, vers cette salle. Jaillissant. Mais tu arrêtes, tu arrêtes, tu arrêtes de faire ça, tu arrêtes, tu arrêtes. Tu te calmes. D'accord. J'ai dû t'interrompre pendant le sketch, t'allais lui demander un autographe pendant son sketch. Espèce de petite groupie stupide. Bonjour. Caroline, quel est le rapport entre les 25 ans du Festival de Montreux et le sketch de Laurent Gérard? Caroline, je t'ai appelé l'autre soir, qu'est-ce que je t'ai dit? J'ai 40, je suis en match chez toi, je suis bourrée, je me sens seule. Est-ce non, que... non, passe, passe. Pas ce soir-là. Un soir, je t'ai appelé, je t'ai dit, Caroline, il me faut quelqu'un pour co-présenter le festival de Montreux. Est-ce que tu peux? Ah oui, me passer le numéro de Florence Foresti. Voilà, bon, elle n'était pas disponible, ensuite je t'ai rappelé. Ah oui, salut Caro, comment ça va? En fait, c'est Jérémy. Personne ne veut présenter le gala avec moi. Aide-moi, je t'en supplie, aide-moi. Non. Non. Non, j'ai certainement pas dit bonsoir Caro, comment ça va? Caroline, j'ai construit ce gala de A à Z. Je ne t'ai demandé qu'une seule chose. Laquelle? Bah, de trouver les artistes, de faire la mise en scène, de coucher avec toi. De construire les décors, de recoucher avec toi. Non. De... Caroline, je t'ai dit, il faut que tu contactes les artistes et que tu leur demandes de faire impérativement un sketch sur le thème des 25 ans du Montreux Comedy Festival. Ah oui, ça oui. Voilà, alors maintenant, explique-moi quel est le rapport entre le sketch de Laurent Gérard et les 25 ans du Montreux Comedy Festival. Eh ben, en fait, tu vois, quand je suis allée voir Laurent Gérard et que je lui ai dit qu'on allait fêter les 25 ans, là, il m'a coupé, il m'a dit merci, persuadé qu'on fêtait ses 25 ans de carrière. Alors moi, j'ai pas osé lui dire, voilà. Pourquoi? Bah, pourquoi? C'est quand même Laurent Gérard. Mais tu lui parles, c'est un être humain, t'as qu'à lui parler. Un petit peu, mais enfin, un petit peu de caractère, quand même. C'est Laurent Gérard. Mais alors, c'est Laurent Gérard, on s'en fout, parle-lui. Mais vas-y, toi, puisque tu... Vas-y, je lui parle, quoi, Laurent Gérard. Bah ouais. Laurent Gérard est demandé sur le plateau. Vas-y, t'es Laurent même pas Gérard est demandé... Laurent, alors écoute, je suis désolé de te prendre comme ça. Voilà, c'est peut-être l'autre taré qui t'a mal expliqué, ou toi qui es un petit peu en train de prendre le melon, mais en tout cas, c'est pas la soirée de tes 25 ans de carrière. C'est la soirée des 25 ans du Festival de Montreux. Alors on va baisser un petit peu les radiateurs et on va se calmer. Parce que, écoute, non, reviens par ici. Bonjour, Laurent Gérard. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe? Oh rien, c'est Jérémy qui est en train de vous remettre à votre place. C'est sympa de se faire remettre à sa place, vous, de 25 ans. Oui, ouais. Ouais. Merci d'être venu en tout cas, vous merci. Aussi. Merci. Alors maintenant, tu vas respecter un petit peu les organisateurs, tu vas me respecter et ça t'aidera à te respecter. Wow. Tu vois? Quand on a un petit peu de charisme et de couilles. Ah ouais. Ah, qui c'est la prochaine artiste? Antonia de Rendinger. Non, là. Excusez-moi, madame. Est-ce que vous pratiquez l'épilation en urgence? Parce que je viens de rencontrer un homme sur Mystique. C'est pour ce soir. Eh bien, écoutez, voilà. Non, mais je voudrais vraiment avoir le minimum syndical pour ce genre de réception, quoi. Donc, jambes entières, voilà, oui, les deux, évidemment. Avec le maillot. Quel genre de maillot? Eh bien, c'est un maillot orange avec des... Ah! Le maillot!
Eh bien, le maillot, on fait le maillot, quoi. Non, c'est pas pour aller à la piscine, c'est vraiment c'est pour nager en eau trouble, voilà. Le brésilien, voilà, brésilien. Alors vraiment, le brésilien du sud, hein, vraiment, voilà. La déforestation, vous voyez, vraiment, la transamazonienne, voilà. Il faut être en string. Ah bon, mais si je rentre la culotte dans les... Jetable. Ah oui, non, jetable. Oui, non, c'est sûr, je vais pas aller à ma soirée avec ça. Je l'enfile et je vous appelle quand je suis prête. À de suite, merci. Eh bien, mon vieux, tu parles d'un jetable. Ouh, si ça se trouve, ça a même déjà été jeté, ce truc. Mais ils sont débiles ou quoi? Ils ont fait une cuisse plus large que l'autre. Ah, mais non, je suis con, c'est la taille. Bon, ben, visiblement, c'est auto-reverse. Alors, hop, on y va à la... Mais c'est pas vrai, j'ai quand même pas enfilé une cuisse là. Non, je suis pas encore prête. Allez, tu pètes pas. Je parle à l'élastique là. Oh, punaise, c'est pas vrai, mais c'est un truc à te rendre stérile ce machin là. Oh my god. Il y a du boulot là, hein. Oh non, c'est pas vrai, même en Suisse, ils ont jamais vu un truc pareil. Non, je suis pas encore prête. Je peux pas y aller comme ça, c'est pas vrai. Allez, hop, les gars. Planquez-vous. On range la salade. Les oursins avec les huîtres. Hop. Je suis prête. Bonjour, enfin, monsieur, vous sortez de la cabine. Vous sortez, hein? Non, mais je m'en fiche que vous travaillez ici, là. Vous avez... Pardon? Ah ben non. Eh ben moi, je peux pas me faire épiler par vous. Eh ben, vous êtes un homme, visiblement. Ouais, ben y a pas un homme qui m'a vu à poil pendant 3 ans, va pas y en avoir 2 dans la journée non plus, là. Surtout que là, quand je dis à poil, c'est... Oui, ben c'est pas un euphémisme, donc... Eh bien, vous allez chercher une femme. Non, je peux pas revenir demain. C'est ce soir. 3 ans que j'ai pas fait l'amour. 3 ans. C'est l'âge de mes poils. En plus de ça, son nom de code sur Mystique, c'est Tarzan, alors... Oui, ben moi, j'ai mis que j'étais Jane, alors j'ai pas mis que j'étais Cheetah non plus, là. Eh bien, je sais que... Oh mon Dieu, c'est pas possible. Eh bien, oui, on va le faire. Oui, on va le faire, mais c'est bien parce que c'est un acte... médical. Je vais me détendre, oui. J'espère surtout que c'est le string qui va se détendre, parce que... Oui, je sais, voilà, oui, bon, ça va, ils sont longs, et en même temps, c'est l'hiver, et ça tient chaud dans les bottes, donc... Mais juste s'ils sont longs, ça veut dire que quand vous arrachez, ça fait encore plus mal, oh mon Dieu, mais vous me faites la péridurale, non? Oui, je vais me détendre, je vais me... Oh, que je suis détendue. Par contre, vous faites attention avec la température, parce que... Oh, putain, c'est chaud. Wow. Vous allez où, là, comme ça, là-haut? Non, mais de la base de la cheville jusqu'en haut de la cuisse, c'est quoi, ce truc? Ah, ben non, c'est pas une bande, là, c'est la 4 voies, vous me faites le... La méthode orientale, ah bon? Ça n'a rien à voir avec Al-Qaïda, j'espère. En même temps... Oh, vous avez pas dit 1, 2, 3? Eh bien, vous dites 1, 2, 3, comme ça je me conditionne psychologiquement. C'est impeccable, hein? Ah non, mais attendez, moi j'avais oublié la couleur de ma peau! C'est incroyable, regardez ça, ça fait le petit cochon avec le petit sanglier, le petit cochon avec le petit. Et c'est quoi votre petit nom? Jean. Rachid. Ah, Jean Rachid! Ah, non. Oh. Non, j'ai rien contre les prénoms composés. Oh mon Dieu, c'est pas vrai. Ah, vous avez déjà fini le devant, mon vieux. Eh ben, retournez-vous alors. Mais non, mais retournez-vous que je me retourne. C'est bon, vous pouvez vous retourner. Hein? Oui, je vais enlever les mains. C'est pas la honte. Ta-da!
Cambré. Cambré, moi je veux bien, mais c'est que j'ai dit. Ah, cambré. Cambré, quoi. Oh, c'est un cauchemar. Oui, non, mais là, si j'écarte, vous allez avoir la vue sur les gorges du Verdon, hein, donc... Tarzan, c'est pour toi. Vous faites attention à la commissure de la fesse, là, j'ai une loutre. Dans la jungle, terrible jungle, le lion est mort. Ce... Oh, je ventile. Je ventile. C'est bon, je retourne la position. Oh, c'est Guantanamo, cette boutique. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant. Je... Oh, là, vous m'avez défriché le coccyx. Vous avez fini l'arrière. Vous savez quoi, franchement, vous devriez travailler à Jardiland. Vous êtes une vraie débroussailleuse. Vous faire le maillot tout de suite, ah bon, vous préférez enfin, les vitres ou le carrelage. Non, non, mais c'est juste parce que, comme j'expliquais à votre collègue féminine, c'est un peu le gros du chantier, quoi. Donc, non, justement, je voudrais vraiment quelque chose de très petit, très sexy, voilà, bien dégagé sur les côtés, avec l'arrêt au milieu, enfin, moi. La tenue des grands soirs. Oui, alors juste avant que je prenne la position, j'avais une requête par rapport au maillot. En fait, voilà, j'aurais voulu savoir si vous veniez aussi me faire l'arrière de le versant nord. Vous voyez, la petite zone qui remonte en haut des cuisses, entre les... dans le fond du... Ou... le quoi? Le tour du périph. C'est très explicite, là, on nage en pleine poésie, là, franchement, hein. Moi, je vous croise dans la rue, je suis bonne pour déménager, hein, donc, voilà. Que je fasse la grenouille. Mais c'est vraiment une dispense. Je sais pas encore. Mais je sais pas, moi, vous me dites de vous faire la grenouille, je vous fais la grenouille. Je peux pas savoir, moi, que c'est la position de la grenouille. Arrêtez de rire bêtement, là. Oh, vous allez en avoir des choses à raconter à la maison ce soir, hein. Elle le fait comment? D'accord, mais je sais pas, moi, vous me dites de vous faire la grenouille. Je... Et je tiens. Le string. Oh, ben, le string, il va pas s'envoler, là. C'est... Vous mettez pas la main. Je le fais moi-même, voilà. Et puis, vous regardez de l'autre côté, là, pendant que vous passez la truelle, parce que j'ai pas envie que vous me regardiez le... Oh, mon Dieu, c'est chaud. Oh, Dieu, mon Dieu. Allez, je vous tire la blouse, je vous tire la blouse. Allez, Rachid, allez, c'est pour repeupler la France, tout ça. On y croit, c'est du patriotisme. Et un, et deux, et... Oh, mais vous avez pris de la viande, là. Oh. Eh bien, évidemment qu'on égalise, je vais pas y aller comme ça non plus, hein. Regardez-moi ça, franchement, on dirait Hitler, là-haut. Allez, hop, c'est parti, on y va. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Oh. Oh. Toutou, youtou, oh, toutou, youtou, oh, toutou, toutou, toutou. Qu'est-ce que vous me dites? Ah, c'est le tour du périph. Non, ben, attendez, attendez. Je vous enlève la glissière de sécurité. Vous pouvez y aller franco, il n'y a pas de radar, hein, donc... Un, deux, oh! Oui, non, mais là, je me suis fait flasher. Oh, mon Dieu. Eh, non, 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 c'est magnifique, hein. Bon, à part les petits boutons partout, mais enfin, bon, j'imagine que ça va partir d'ici. Demain? Mais si ce soir, je passe à la casserole, j'en connais un, il va bouffer de la poule au pot.
Et là, le rapport entre Antonia, qui fait la grenouille pour se faire épiler le périphérique, et les 25 ans du festival de Montreux. Oh, bah là, c'est clair. Elle s'est quand même fait épiler l'anus. Et alors ? Bah, on fait que ça pour un anniversaire. Et maintenant, merci d'accueillir les Chevaliers du Fiel. Tu sais que c'est bientôt mon anniversaire. Ah bon ? Ben, et qu'est-ce que tu suces, hein? Un noyau de pêche. Tu suces un noyau de pêche? Et pourquoi tu suces un noyau de pêche? Pour arrêter de fumer. Oh, ça marche pour arrêter de fumer, de sucer un noyau de pêche? Depuis que j'en suce, je fume pas, hein. Oh, mais tu fumais avant? Non. T'es toujours sur ton téléphone, hein? Ton téléphone, ton téléphone. Je suis sur Google, je m'instruis, je me cultive. Tu peux tout savoir sur Google. T'es, par exemple, un tableau de Picasso. Si tu veux savoir de qui il est, ils te le disent. C'est tentant. Attends, c'est l'avenir, Internet, Facebook. Ouais. Si t'as rien à dire à un mec que tu connais pas, tu peux le faire. Ouais. Faudra que j'essaye. Ah, ouais. Ils m'ont demandé à la direction de te faire passer un test psychologique. Ah bon ? Vas-y, ferme les yeux, Hubert. Ferme les yeux, tu me dis ce que t'en penses. De quoi ? Vas-y, là, tu goûtes ça, attends que je mette ça. Voilà, c'est bien, moi, ça. Voilà. Dis-moi comment tu le trouves, franchement, vas-y, allez. Vas-y, lâche-toi. Il y a un truc, hein ? Oui, un truc, vas-y, 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 qu'est-ce qu'il y a ? C'est ça, mais c'est pas ça, tu vois, c'est... Oui. Il manque quelque chose. Tu me fais plaisir, Gilbert, il manque quelque chose. C'est du 45, c'est pas du 51. 6 degrés, il manque. 6 degrés. Tu veux que je te dise, l'apéro, c'est comme la NASA. À 6 degrés près, tu peux rater l'objectif. Ouais, je me souviendrai de ça, tiens. Ouais. Ça fait combien de temps que t'es à la mairie, Gilbert ? 6 ans. 6 ans. Ouais. Moi, je dis, c'est le bon timing. J'ai dit, un type au bout de... J'en ai formé des types. Hein, un type au bout de 6 ans. Qui ne sait pas reconnaître le 45 du 51 les yeux fermés, ce type, il ne sera jamais fiable. Ah ouais ? C'est un mec, quand il ne sera pas là, il ne répondra pas qu'il n'est pas présent. Cette phrase, il faudra que je m'en souvienne. C'est la philosophie, pratiquement. Attends, c'est pas pour rien qu'on m'appelle le Bernard-Henri Lévy de la ville. Ah ouais ? On est pareil, grand brin frisé, pareil. Mais peut-être qu'au niveau de vos femmes, que ça diffère un peu, quand même. Tu la trouves pas bien, ma femme ? Si, si, ma femme, elle est plus mûre, quoi, je veux dire... Celle de Bernard-Henri Lévy est rajeunie d'année en année. Oui. Moi, d'après moi, si ça continue, l'année prochaine, elle fait sa communion. Hein. Tiens, Gilbert, maintenant, tu vas me goûter celui-là. Ah ouais, ça arrête pas aujourd'hui. Ah, mais c'est psychologique. Hein. Vas-y. Goûte, dis-moi. Franchement, hein, vas-y. Ah, ça fait plaisir. Ça, c'est du vrai, ça. Mais c'est du 51, c'est du vrai. Ah, voilà, là. C'est ça, la différence. Le 45, tu bois, t'es bourré, t'es con, le 51, c'est au-dessus, t'as des idées, quoi. Ah, ben ouais, de suite. Enfin, quand même, ça m'étonne toujours qu'il le garde secret. Et de quoi ? Eh ben, le lieu où jaillit la source du Ricard. Tu vois, regarde, Contrexéville, Vittel, tu vois, tu sais d'où ça vient. Armagnac, Cognac, tu sais d'où ça vient. Alors que là... Ils disent rien, c'est le silence total. C'est le mutisme. Exactement, comme les révoltés du Bounty, pareil. Oui, à part qu'eux, on savait pourquoi. Pourquoi quoi ? Pourquoi ils se sont révoltés ? Ah bon, pourquoi ? Parce qu'il n'y en avait plus. De quoi ? Et des Bounty ! Non, Christian, tu déconnes là. Bounty, c'était le nom du bateau. Mais c'est toi qui déconnes. Qu'est-ce que tu lis trop Google, toi, hein? Tu lis ça sur Google, tu crois toutes les conneries quand t'as dit Bounty, le nom du bateau, quoi. Mais oui, c'est le nom du bateau. T'as déjà vu un bateau qui s'appelle le Tritz? Pourquoi ils se sont révoltés, les mecs du Tritz? Et non, justement, parce qu'il y en avait.
Bon, de toute façon, il vaut mieux pas qu'on sache d'où ça vient. Parce que des fois, tu peux être déçu comme ça. Tu vois. T'as un rêve mythique et t'es déçu. Tu vois. T'as, par exemple, j'ai un oncle. Oui. Il avait un chien. Tu sais, il l'avait amené en haut du mont Canigou dans les Pyrénées. Tu sais, parce que le chien, il mange que ça. Tu vois. Et bien, arrivé en haut, il n'y avait pas l'usine. Il était déçu, le chien. Il a pleuré. Et tout. Ouais. Il se voyait repartir avec une boîte. Bah ouais, au moins des échantillons. Ouais. Non, ça le fait, ça. Tu peux être déçu. C'est pareil en haut du Mont Blanc. Il n'y a même pas une boutique de crème. Rien que là, là. Même pas de stylo, rien. Ici, Gilbert, quand je t'entends comme ça, je me pose la question. Si tu n'avais pas été employé municipal, ouais. Qu'est-ce que tu aurais fait? Alors, ça, je ne sais pas. Moi, au départ, je voulais être pilote de chasse. Ah bon? Ouais. Et puis le médecin scolaire, il m'a dit avec 7 dixièmes à l'œil droit, vous aurez du mal. Hein. Mm-hmm. Et c'est vrai que quand tu y réfléchis, tu vois, par exemple, tu es dans ton avion de chasse, ça va hyper vite. Ouais, tu vois. Ouais. Si tu vises que de l'œil gauche parce que tu as l'autre encombré, ça peut te créer de la conjonctivite. Tu vois. Et là, je veux dire, à cette vitesse-là, ça pardonne pas. Tu vois. Tu vises Lausanne, tu pètes Montreux. Tu vois. Ouais. Donc, du coup, ben, j'ai continué mes études, j'ai poursuivi mes études. C'est bien, tu es allé loin? Ah oui, 100 km aller-retour pour aller au collège à Montreux. Ouais, ouais. J'ai fait ma sixième, et là, à la fin de la sixième, le directeur, il a dit à mon père, bon, on va pouvoir le garder parce qu'il freine les autres. Ah ouais. Et c'est vrai que, tu sais, je me posais des questions, les autres, ils comprenaient rien, tu vois, et donc, ça les freinait. Quoi. Donc, je suis parti dans le privé, là, j'ai fait ma cinquième, quatrième, et là, le prof principal, il a dit à mon père, c'est pas la peine de l'amener au brevet, on connaît déjà le résultat. Ah. Et c'est vrai que quand tu connais le résultat, t'es moins motivé, c'est pas la peine d'y aller. Quoi. Voilà. Donc, t'es rentré à la ville. Ah ben, de toute façon, il a dit, avec le bagage qu'il a, il a deux voies royales, soit l'armée, soit la ville. Ouais, ouais. Deux métiers où tu peux pas branler. Quoi. Ah ben non, sinon ça se voit de suite. Hein. Donc j'ai choisi la ville. Hein. Concours. De circonstances, oui. Ah bon. Ouais. C'est le maire, il avait un peu trop forcé sur un main d'honneur, il a grillé la priorité à mon père, il y a pété la bagnole. Mon père, il était fou furieux, tu vois. Ouais. Ils se sont battus, au bout d'un moment, il a dit, oh, puisque c'est ça, j'appelle les flics. Et là, le maire, il a dit, attends, attends, laisse tomber, je prends ton fils à la mairie. C'est comme ça que je suis rentré à la mairie. Comme quoi, on en revient toujours à l'alcool. C'est le point de départ. Exactement. Ouais. Ça part de l'alcool et ça arrive à l'alcool. Ouais, bien sûr. Et toi, t'es rentré comment à la mairie? Moi, je suis rentré par la grande porte. Ah ouais? J'ai fait l'ENZ. Waouh! L'ENA des employés municipaux. Oh oui. L'École nationale des employés municipaux. C'est de là où ils viennent, le Z. Ah ben oui, ouais. Ils viennent de là et de Rodez, parce que c'est Rodez. Ah, Rodez avec un Z encore. Aussi, hein. Oui, oui. C'était pas Zorro le directeur. Non. Rodez. Deux ans d'études, là, c'est la folie. Faut voir le campus de Rodez. C'est le seul campus où tu peux choper des renards. Ah oui. Ouais. C'est Rodez, ça doit être difficile d'être sérieux pour continuer les études. Hein. C'est le Las Vegas de l'Aveyron, hein, tu sais, ça. T'as des si tu fais pas gaffe, tu peux te retrouver sur une partie de belote ou de flipper. Ça, ah ben... Ça. Puis le tout, c'est de pas tomber les addictions, oui. Suppositoires, verveine et compagnie. Exactement. Ce qu'il faut bien à Rodez, comme au Locle d'ailleurs, c'est la fête du dégel. Ah ouais? C'est quand ça? Le 15 juin. Ah ouais. Marc, les examens sont finis, ça te laisse du temps libre. Ouais, exactement, oui. Bon, allez, on s'y met au boulot, on se le tape ce tas de feuilles. Putain, mais ils nous prennent pour des machines. Bon, attends, on n'arrête pas. Et vas-y, attends, attends, je vibre. Je vibre, t'as bien de la chance. Eh oui. Allô? Oui. Eh bien sûr, c'est moi, ouais, puisque tu m'appelles. Oui. Qu'est-ce que je fais? Je bosse. Hein. Ben bien sûr qu'il est avec moi, Gilbert, puisque on est en doublette. Sans déconner, c'est pas vrai. Putain, je viens de... Non, j'y annonce. Gilbert, quoi? On vient de me charger de t'annoncer une nouvelle incroyable. Ah bon? Cette minute, tu vas t'en souvenir toute ta vie. Mais parle, putain, tu me fais peur. Je veux le dire, ça y est, c'est officiel, tu viens d'être nommé, t'es titulaire. Je suis titulaire? T'es titulaire, Gilbert! Titulaire! Oh putain, c'est génial, titulaire! Oh putain, ça me fout une pêche, ça! Une pêche pour? Et pour bosser, quoi. Mais t'es con, quoi, t'es titulaire! T'es marre, quoi! T'es titulaire, quoi. Ah ouais, je peux chanter, alors. Eh bien sûr, tu peux chanter. Feuille, râteau, c'est le chant des municipaux. Feuille, râteau, c'est bientôt l'heure de l'apéro. Écoutez ça,
Ça. Mettez ça. Mais pourquoi tu veux Mettez-les. Chantez avec moi. De quoi? Happy birthday to you, Montreux. Happy birthday to you, Montreux. Happy birthday to you, Montreux. Happy birthday to you. Joyeux anniversaire. De rien, écoute. J'ai oublié de dire aux artistes que c'était les 25 ans du festival et si Jérémy l'apprend. C'est pour ça qu'il a l'air méchant. Il me tue, je vous jure, j'ai peur. Ah, mais pourquoi t'as peur de lui? Mais attends, mais il est pas si méchant que ça. Non, il est pas si carré que ça non plus. Plus méchant que ça. Ah bon? Il est encore plus. Vous pouvez pas imaginer, il m'a jeté par terre. Là. Bah et t'étais avocate, toi, tu vas pas avoir peur de mecs comme ça. T'as défendu des truands et des chefs de mafia, je veux dire. Ah ouais, mais jamais aussi méchant que lui. Ah bon? Jamais. Non mais vas-y, pas possible. En plus, tu veux, quand j'étais avec ces gens-là et que j'étais avocate, j'avais une robe d'avocat, tu vois. Donc je me sentais forte. Mets ta robe et tu lui expliques, qu'il se calme. Je sais pas comment ça, je vais remettre ma robe. Tu remets ta robe et puis je vais remettre ma robe. Mets ta robe, voilà. Ouais, puis je vais aller le voir et je vais lui parler en robe d'avocat. Ouais, puis je vais lui attraper les couilles comme ça. Enfin, il en a pas tant que ça. Et puis je vais serrer comme ça. Oui, mais là, c'est... Non. Et là, je vais lui arracher. Et je vais les brandir. Je vais me libérer. Fais-le. C'est une bonne idée. Jérémy. T'écoutes maintenant, bouffon, va! Tu m'as pris pour ta meuf? Tu m'as pris pour ta topu? T'as quoi, t'as rien branlé pour organiser ça? T'ouvres ta grande gueule? Mais moi, je te fume, moi! Moi, je prends un chasse et je te désosse! Ouais! Je te désosse! Tu comprends? Je te désosse! Pardon, je sais pas ce qui me prend. Je suis désolée. Toi, tu me fais confiance. Moi, je rate tout. Je suis qu'une merde. Ben oui. Je t'ai déçue. Non, parce que je m'attendais pas à mieux, Caroline, heureusement. Bon, allez, reprends-toi. Ça va être à toi de faire un sketch. Je vais faire un sketch maintenant? Bah oui, bien sûr, c'est à toi, c'est à ton tour. Mais maintenant, c'est pas l'entracte? Si. On va quand même pas empêcher les gens de sortir pendant l'entracte? Oh bah non, les gens vont sortir, évidemment. Mais moi, alors, je vais faire un sketch devant personne? Oui, c'est ce qui était prévu à la base, oui. Mais c'est horrible! Ah ben non, mais attends, Caroline, si les gens ont envie de rester pendant ton sketch, ils restent, évidemment. Moi, je ne pense pas qu'ils le feront, parce qu'on offre des sandwichs, des boissons, il y a un poney club pour les enfants, etc. Les gens font ce qu'ils veulent. Moi, je vais y aller, là-bas. Si les gens veulent me retrouver à la buvette, ils sortiront, certainement. Mais s'ils ont envie de voir ton sketch, ils peuvent, hein. Alors, si vous avez envie de voir le sketch de Caroline Vigneault... Caroline Vigneault. La robe d'avocat, enfin la robe, la djellaba. Puisqu'avocat, c'est un petit peu comme Zorro, avocate comme Zorote, et quand Zorote veut rigure vite, d'où la bavette. Humour d'avocat. Vous savez que moi, je suis devenue avocate pour de vrai, hein, parce que je voulais défendre tous les innocents. Alors le premier jour où j'ai revêtu cette robe, j'étais heureuse, j'étais fière, j'étais commise d'office. Commission d'office, vous voyez, hein? C'est là où tous les clients qui n'ont pas d'avocat vont rencontrer des avocats qui n'ont pas de clients. C'est chez un speed dating judiciaire. Mais c'est pas facile de trouver un innocent. Bonjour monsieur, bonjour. Tadam. Ah yeah.
ici maître Caroline Vigneault, l'avocate commise d'office. Ça veut dire que je suis obligée de le faire. Et que je ne vous coûte rien, voilà. C'est mieux qu'une pute. Oui, oui, c'est mieux. Ah si, monsieur, le viol est un crime, hein. Oh, ça fait maintenant quelques années, hein. Alors écoutez, c'est très simple, vous risquez 15 ans de prison. C'est ça, comme pour un meurtre, oui. Effectivement, pour le même prix, vous auriez pu la tuer, oui. Excusez-moi, je cherche un innocent. Bonjour, bonjour. Oh, bonjour. Bonjour. Ah, pardon, bonjour, Caroline. L'avocate commise d'office. Bien sûr, je voulais dire soumise d'office. Votre affaire. Votre affaire. Bien sûr que je vais te la faire, ton affaire. Roméo. Oh, Roméo. Alors, Roméo, de quoi s'agit-il? D'un meurtre. C'est bien. Oh, moi, je crois en votre innocence. Ouais. J'y crois. Et on vous accuse d'avoir tué qui? Votre femme. Donc vous êtes célibataire? Alors, vous êtes bien là, monsieur, au premier rang, non, hein? Allez, c'est parti. Caroline Vigneault quitte la robe au Comedy Festival Montreux. Ouh! Ça va, là, monsieur, du premier rang? T'es content? Est-ce que tu kiffes, monsieur? Allez, ouh! Et c'est tout, voilà. Bah oui, c'est tout. Je voudrais quand même vous rassurer, hein. Roméo, il était innocenté du meurtre de sa femme. Ah oui, aux assises. Un innocent aux assises, vous imaginez, c'était quand même mon rêve. Alors là, je peux vous dire, je me suis battue comme une lionne, j'ai plaidé comme une déesse. Et il a été acquitté. Et quand le verdict est tombé, il s'est retourné vers moi, les yeux pleins de larmes, et il m'a dit... Merci, maître Vigneault, je vous jure, je ne recommencerai plus. On se sent utile, hein? Et c'est donc là que j'ai décidé de changer de vie. Et alors quand j'ai annoncé à mes parents que je quittais la robe d'avocat pour devenir humoriste, ma mère a super bien réagi. Elle s'est jetée sur mon père pour le réanimer. Et ensuite, elle a essayé de me faire changer d'avis. Alors avec des trucs classiques de mère, hein, elle m'a écrit une très belle lettre. 222 pages. En fait, elle avait recopié la Bible. Et après, elle a soudoyé le curé pour qu'il m'exorcise. « Sors de ce corps, Jacqueline Maillan !» Bon, là, évidemment, je me rends bien compte, hein, qu'il y a tous les moins de 30 ans qui sont en train de se dire « C'est qui, Jacqueline Maillan ?» Chiaps. C'est un truc de yeuve. Et genre, ça serait pas la mère à Nabila, tu vois. Et là, je sais qu'il y a tous les plus de 40 ans qui sont en train de se dire « Non, mais vraiment, c'est qui Nabila ?» Nabila, vous savez, cette fille avec ce physique de poupée, là. Non, pas Barbie, plutôt Chucky, tu sais. Oui. Mais c'est vrai qu'elle est beaucoup plus sexy. Elle est même super sexy, un peu comme moi, quoi. Voilà. Oh, regardez par vous-même, quand même. Regardez ses chevilles fines. Cette taille de guêpe, et c'est pas grave. Là, c'est la misère, hein, quand même. Vous voyez les petites poches, là? C'est pour donner du volume. Alors, bien sûr, hein, pour remplir mon soutien-gorge, j'ai bien pensé à la chirurgie esthétique. Mais là, c'est une comédienne qui m'en a dissuadée. Non, enfin, mais Caroline, aucune comédienne au monde ne fait de chirurgie esthétique. Non, nous, les comédiennes, pour garder, voyez-vous, notre... Comment dirais-je? Non, bien sûr! Non! Si vous voulez, pour garder notre jeunesse, eh ben, on fait que de la gym, hein? D'ailleurs, j'aimerais le dire à toutes les femmes qui en font, attention, mesdames, ça se voit!
Et puis c'est quand même contraire à l'essence même de notre métier, qui est tout de même de reproduire des émotions sur notre visage. Ben, c'est important pour une comédienne, les émotions. Tiens, je vous montre, tiens, je vous fais. La femme effrayée, son Caroline, femme effrayée. Vous voyez ? Tiens, je vous fais la femme amoureuse, son Caroline, femme amoureuse. Vous avez vu, c'est dingue, hein ? Elles ont la même tête que les femmes battues. Sauf que, attention, hein, c'est illégal de battre sa femme. Ah si, c'est vrai. Vous savez qu'un homme qui tape sa femme en France va prendre entre 2 à 6 mois de prison avec sursis. En fait, ça veut dire qu'il ira en prison que s'il recommence. En fait, ça veut dire que le premier essai est gratuit. En revanche, un homme qui prend un petit chat et qui le tape contre un mur a pris 1 an de prison ferme. Dingue ! Alors maintenant, les filles, hein, quand on appelle la police... Miaou ! Miaou ! Miaou ! Merci. Merci. Caroline Vignon ! Félicitations. Vraiment. Non, mais vraiment. Sincère. Non, je suis sincère, vraiment. T'as trouvé ça bien ? Oui, vraiment. Non, non, mais là, pour le coup, je rigole pas. Vraiment, j'ai trouvé ça vachement bien. C'était, c'est vrai ? C'est, oui, c'est hyper efficace, c'est hyper rythmé, c'est hyper original. Voilà, tu dénonces des choses. On était tous en coulisses avec les autres artistes. Vous savez, on a des retours où tout le monde était mort de rire. Non, mais vraiment, un grand, grand bravo. Je viens de t'en faire 10, espèce de taré! C'est ça, continue à te foutre de ma gueule, vas-y, continue! Alors, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, maintenant, merci d'accueillir un autre grand spécialiste du compliment pour les femmes, Olivier de Benoît! Bonsoir, monsieur! Pardon. Bonsoir, monsieur, pardon! Bonsoir, monsieur. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bonsoir, les autres. Je suis maladroit. Dans mon spectacle précédent, je défendais les hommes. Dans ce spectacle-là, je vais défendre les femmes. Le spectacle sera plus long. Et pour vous prouver que je suis dans votre camp, mesdames, si par hasard je fais une blague misogyne, ou si j'ai un geste déplacé envers la jambe féminine, tiens, toi, madame, je te donne ce pistolet à eau, d'accord ? Et si tu trouves que je vais trop loin, tu me tires dessus, ok ? Comme ça, vous aurez une représentante, mesdames, c'est pas mal, non ? Et pour pas que les hommes soient lésés. C'est presque le même. Tiens, monsieur, je te donne ce pistolet à eau, et si elle refuse de tirer sur moi parce qu'elle a peur, tu tires sur elle. Voilà, t'es un génie, tu tires. Non, on va la donner à la deuxième dame qui est juste là, comme ça vous aurez 2 représentantes ce soir. Alors on y va. Avant de vous défendre, mesdames, une féministe m'a dit que pour vous comprendre, je devrais me mettre dans la tête d'une femme. Je lui ai dit, je devrais y arriver, il y a de la place. Oui, alors, t'as compris. D'ailleurs, si quelqu'un vous dit que ces armes ne sont pas dangereuses et que l'arme la plus dangereuse qu'une femme puisse avoir entre les mains, c'est le volant d'une voiture, vous lui tirez dessus parce que les vannes sur les femmes et les voitures, faut arrêter, on est bien d'accord, mesdames, oui ? Ça fait plus d'un siècle que vous conduisez. 1904, pour la première fois, une femme passe son permis de conduire. 1906, elle l'obtient. Elles n'ont pas compris. Non, ça, elle a compris. Elle a compris. Bon, comme vous le constatez, messieurs, je vais défendre les femmes. Et pour que ce soit moins douloureux pour vous à supporter, je vais vous mettre sous hypnose. D'accord, messieurs, oui ? Allez, pour l'hypnose, il faut se concentrer. C'est pour ça que ça marche qu'avec les hommes. Putain, je vais me faire tromper, moi. Allez, soyez concentrés, messieurs. Messieurs, imaginez. Votre femme vous raconte sa journée de travail.
Vos paupières deviennent lourdes. Pardon, mais imaginez, votre femme a disparu. Vous vous sentez léger. Très léger. J'en vois déjà deux là-bas qui s'envolent. Bon voyage. Tiens, maintenant qu'on est contre hommes, je vais faire un truc que j'ai toujours rêvé de faire. Vous êtes combien d'hommes? Je crois que vous êtes à peu près 700 hommes ce soir. Allô, bonsoir, j'aurais 1400 prostituées pour Montreux, s'il vous plaît. Bon, maintenant, messieurs, rouvrez les yeux et dites ma femme est parfaite, à vous, messieurs. Oh, c'est la première fois que ça m'arrive. C'est la première fois que ça m'arrive. Il était temps que je vienne. Il était temps que je vienne. Messieurs, mentez s'il le faut. Allez, ma femme est parfaite, à vous, messieurs. Mais pas ouais, ma femme est parfaite. C'est surprise, surprise, un petit effort. On va changer le public. Non, allez, ma femme est parfaite, à vous, messieurs. C'est bon, mesdames, ils sont sous hypnose. Bon, avant de vous défendre, mesdames, je voudrais vous faire rêver en vous racontant la première rencontre avec ma femme. Oh, la première fois que je l'ai invitée au restaurant. Elle a commandé un steak frites. Elle a juste demandé si on pouvait remplacer le steak par du poisson et les frites par de la salade. J'ai demandé au serveur si ça lui arrivait souvent, il m'a dit oui, ça s'appelle le menucheuse. Puis je l'ai ramené chez moi, on a fait l'amour dans la cuisine. Juste après, elle m'a mis en garde, elle m'a dit je veux une relation stable. Je lui ai dit si c'est que ça, on peut mettre une cale sous la table. Le deuxième soir, je l'ai emmené dormir à la Belle Étoile, sur la plage, au bord de la mer. Elle m'a dit que c'était une bonne idée. Mais que ça aurait été une bonne idée de regarder l'horaire démarrer. Et quelques temps plus tard, on a décidé de se marier. Pour les fiançailles, elle m'a demandé de lui offrir une bague de la valeur de mon amour pour elle. Du coup, je lui ai acheté un serre-joint. Et lors de mes fiançailles, j'ai rencontré mes beaux-parents. J'ai dit à mon beau-père, pour notre première rencontre, j'aurais aimé vous offrir un gros truc qui reste, mais je me suis dit que vous étiez déjà mariés. À la fin du déjeuner, pendant que mon beau-père débarrassait la table, ma femme m'a donné un coup de coude en me murmurant « Fais quelque chose !» Du coup, j'ai laissé 2 € de pourboire. Enfin, au café, mon beau-père m'a demandé comment j'avais su que sa fille, c'était une femme pour moi. J'ai dit « Je l'ai essayé, c'était pile la bonne taille. » Le jour de mon mariage, je me suis dit la même chose que le prince William le jour où il a épousé Kate. Finalement, sa sœur était mieux. Ouais, en tout cas, un truc que je trouve génial dans le mariage, c'est l'enterrement de vie de garçon. C'est génial, messieurs, oui, oui. Ce jour-là, alors que je buvais de la bière avec mes copains, une stripteaseuse sur les genoux, ma femme est arrivée. J'ai dit que je fêtais mon enterrement de vie de garçon. Elle m'a dit, tu te fous de ma gueule, ça fait 3 ans qu'on est mariés. Ma femme n'est pas là ce soir parce qu'elle est vexée. Normalement, elle est là tout le temps. Mais hier soir, il y a des spectateurs qui ont été maladroits. Ils l'ont appelé la molaire parce que c'était la grosse du fond. C'est nul, non? Du coup, ma femme a voulu me prouver qu'elle était encore séduisante. Du coup, elle s'est inscrite sur Mythique. Et comme ça ne marchait pas, finalement, elle s'est inscrite sur ricardo.ch. On attend les offres. En attendant les offres, j'ai emmené dans un aéroport. Je me suis dit, en laissant passer pour un colis abandonné, c'était la seule chance pour elle de se faire sauter. Bon, ça fait 3 ans qu'on est mariés avec ma femme et je ne l'ai jamais trompée. Pourtant, c'est pas faute d'avoir essayé. D'ailleurs, j'ai appris que dans les troupes de théâtre, les comédiennes et les comédiens couchaient ensemble en tournée. Dommage, moi je fais du one-man show. Le soir, j'ai failli tromper ma femme. En rentrant chez moi complètement bourré, j'ai craqué sur une prostituée à 2 € de l'heure. Et en décuvant, je me suis aperçu que j'étais en train de me taper un parc-mètre. Bon, en tout cas, avant de vous défendre, je me présente quand même, hein, mesdames, Olivier de Benoît, grand défenseur des femmes. Depuis
Depuis la mort de Jacques Vergès, je suis le seul avocat capable de défendre une cause perdue. Mais mon nom complet, c'est Olivier Marie-Emmanuel de Benoît de Gentissart. Bon, c'est un peu long, c'est un titre de noblesse qui a été offert par Marie-Thérèse d'Autriche à mon aïeul pour le remercier de performance qui n'était pas d'ordre militaire mais sexuelle. Quand j'ai parlé à ma femme de ce savoir-faire familial, elle m'a dit « Mais vous ne l'êtes pas transmis ?» J'aurais adoré vivre à l'époque de mon aïeul parce qu'à l'époque tout était plus facile même pour faire l'amour. À l'époque, les femmes portaient des culottes fendues. Vous voyez ce que c'est, les culottes fendues? Oui. C'est le même principe que l'ouverture facile sur les paquets de jambon. Un petit peu plus haut parce que là, ça pousse hein, quand même. En tout cas, à l'époque, la femme était sûre d'avoir un orgasme. Quand l'homme était trop précoce, c'est le cheval qui prenait la suite. Les deux bons. En tout cas, pour conclure ma présentation, je dirais qu'avant de devenir le grand féministe que je suis devenu et qu'il me faut d'avoir autant de monde ce soir à Montreux, il m'est arrivé d'être macho. Et je le regrette. D'ailleurs, pour illustrer cette terrible période, voici comment s'est passé le premier entretien d'embauche auquel je me suis présenté. Prépare-toi. Prépare-toi aussi, je vais chercher un kawaii. Ouais, je tente. Bonjour madame, je suis là pour l'entretien, vous êtes là aussi pour le poste? Non, je me disais bien comme c'est un poste à responsabilité. Ça va être long. Vous êtes PDG? Moi aussi j'en ai une, c'est Toto qui dit à sa maîtresse, est-ce que... C'est pas une blague, vous êtes PDG. Et c'est vous qui êtes là pour me recevoir? Avec ça, c'est normal que ce soit une femme qui s'occupe de l'entretien. Non. Est-ce que ça me dérange d'avoir une femme au-dessus de moi? Non? Ça dépend du poids. Attendez, je vais m'asseoir, ce sera plus agréable. Vous avez vu que j'étais allé à l'université? Oh oui, l'université, c'est une grande école après le bac. Vous connaissez, oui, vous êtes passé devant. Vous y êtes allé quel coup? Vous avez plus de bagages que moi? Oh, c'est normal, ça prend de la place, les chaussures. Mais comment vous avez fait pour décrocher ce poste? C'est la première fois que je vois une femme décrocher un truc qui n'est pas sur un cintre. Je vous jure, c'est la première fois que je vois une entreprise dirigée par une femme. Le déficit est de combien? Et elle fait quoi, cette société? Des produits pour mincir Slim Fast? Ah. Et quand on travaille ici, on a des prix? Vous n'en avez jamais profité. Si je m'y connais en régime, oui, je vis moi-même sous le régime d'une dictature imposée par ma femme, que j'ai surnommée Fidel Cascouille. Et sa mère, belle-mère Al-Assad. Oui, je suis marié. Qu'est-ce qu'elle fait, ma femme, dans la vie? Oh, rien, comme la plupart. Mon livre préféré, Les femmes savantes. Je suis un grand fan de science-fiction. Hein? Mon événement le plus marquant? Le 11 septembre, comme beaucoup d'autres. Ce jour-là, quand j'ai vu les images, je me suis dit, ça y est, il y a des femmes pilotes. J'ai oublié de vous demander, c'est quoi les horaires ici? Vous, vous comptez pas vos heures? Les femmes et les chiffres, quand même. Hein, vous voulez me faire faire un test psychotechnique? Allez-y, je vous en prie, bien sûr, oui. Ma femme me demande 100 euros pour acheter une robe à 80 euros. Combien elle me rend? Ben, zéro. Alors, les filles, on calcule? Non, oui, d'accord, non. Je suis sorti. Hein. Range ta calculatrice. Ce que je pense des femmes, oh, vous avez un peu de temps? Je pense que la femme est une espèce menacée par l'homme. Et si ça continue un jour, la femme sera exposée parmi les espèces disparues, entre les tigres blancs et les bonobos. Et ce jour-là, l'homme regrettera d'avoir jamais rien fait pour sauver... Non, les bonobos. Là, si tu pouvais fermer ta gueule, ça nous ferait des vacances. Allô, chérie?
Ne quitte pas un instant. Messieurs, je vais vous demander d'attendre la fin du spectacle pour changer votre sonnerie, s'il vous plaît, d'accord? Attends, je suis en entretien, je te rappelle juste après. Ah, ça sent, je ne suis pas pris. Par contre, vous m'invitez à dîner ce soir. Waouh, pourquoi? Vous voulez montrer à votre mari qu'il n'y a plus qu'on que lui? Tu sais, j'étais avec Jérémy tout à l'heure quand tu faisais ton sketch, il a trouvé ça très bien, il arrêtait pas de se marrer. Bien sûr, c'est ça, ouais. Putain, tu l'as giflé, t'as vu ce que t'as fait, il est hyper sensible, Jérémy. Jérémy Ferrari, sensible. Ah ouais, il a un cœur d'artichaut, et je te jure, il est hyper sensible, vraiment. Non mais déjà, elle est arrivée au début de la soirée, elle a plombé l'ambiance. Ensuite, t'aurais vu sa robe, elle était habillée comme une pute. mais bien sûr que je lui ai dit, maman, c'est mon anniversaire, je te demande de te comporter correctement. Oui, non, Caroline, super, ça se passe très bien. Non, elle est... Non, ça se passe très bien, elle est formidable, elle est un petit peu énervée. Ouh là là, attends, je te rappelle. Ça va? Où est-ce qu'est Caroline? Tu l'as croisée? Ah, elle est... Putain, tu l'as vexée, là. Ah bon? Oh, ouais, grave, elle est en train de se changer, je pense qu'elle va se barrer. Ah bon? Mais j'étais hyper sincère. Ouais. D'ailleurs, en se changeant, j'ai vu ses pieds. Ouais. Elle s'est changée. Je pense que Bilbo le Hobbit a une sœur. Hein. Elle a des oignons. Elle a des oignons tellement gros, je pense que quand elle se coupe les ongles, elle pleure. C'est ça qu'elle arrête pas de chialer tout le temps. Ah ouais. Bon, du coup, je vais te présenter, ça devait être elle, mais... Ouais, je m'en fous. Ouais, de toute façon, je suis déchiré. Moi. C'est la fête là-bas derrière. Ouais, c'est pas la fête pour tout le monde. Bah écoute, vas-y, mets-toi au centre. Non, on fait ça bien quand même. Ouais, ça va. Tu te mets au centre, tu te mets là, tu te mets correctement. Mesdames et messieurs, Tano! Salut. J'ai la bouche un peu pâteuse parce qu'on m'a filé du fromage, un fromage suisse là dans les loges, du Schabziger. Alors j'aime beaucoup les fromages de caractère, hein, c'est pas la question, mais pas au point de faire un cunnilingus à une vache. Hein. Alors, en tout cas. Je suis vraiment ravi d'être ici ce soir à Montreux parce que j'adore le pognon. Alors, attention, hein, j'adore le pognon, je suis humoriste, hein, mais je ne suis pas prêt à tout non plus. Hein. Moi, je rêve d'une banque dans laquelle Gad Elmaleh serait pris en otage. Alors, si vous voulez vite fait, alors moi je suis né à Marseille. Alors, Marseille, c'est sympa, mais si tu n'es ni arabe ni raciste, tu vas vite te faire chier. Alors, au risque de ne pas plaire à tout le monde ce soir, moi je fais aucune blague sur la politique, hein, parce que bon, les gens n'ont pas à savoir si je suis de droite ou de gauche. Puis je suis pas fou, j'ai pas envie de perdre la moitié de mon public, hein. Hein, même si c'est une moitié de cons. Alors, je ne fais pas non plus dans l'humour communautaire, vous allez voir, parce que bon, moi l'humour communautaire me dépasse totalement. Alors, les Noirs vont voir des comiques noirs, les Arabes vont voir des comiques arabes, c'est comme si moi j'allais voir des comiques avec des grosses bites. Ben voilà, on n'est pas assez nombreux, hein, c'est pas... En tout cas, merci d'être venu, monsieur. Non, mais le communautarisme, puisqu'on en parle, c'est un vrai problème. C'est pour ça qu'en France, on a interdit la burqa, hein, le port de la burqa. Alors je sais qu'en Suisse, c'est interdit que dans un seul canton. Alors, vous avez raison, moi, la burqa ne me dérange, mais pas du tout. D'ailleurs, je pense que plus de filles devraient la mettre. Hein. Non, mais c'est vrai, c'est la libération de la femme, hein, la burqa. Hein. Regarde, elles n'ont plus besoin de se raser, plus besoin de faire de régime stupide avant l'été, plus besoin de se maquiller. Si tu vois une femme en burqa qui brusquement tombe dans la rue, c'est pas parce qu'elle voit rien, c'est parce qu'elle a marché sur les poils de sa chatte. Donc à la question « Est-ce qu'on peut rire de tout ?» Oui, mais il faut courir vite.
Mais pas en burqa, hein. Ouais, puisqu'on parle du droit des femmes, moi ça me touche beaucoup. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a les fémènes, hein, pour nous le rappeler. Alors les fémènes, attention, ne sont pas des féministes. Hein. Les fémènes, ce sont des sextrémistes. Hein. C'est-à-dire qu'elles défendent le droit des femmes avec des moyens extrêmes. Alors souvent, elles sont très jolies. Hein. Elles manifestent seins nus avec de la peinture sur les tétons. Afin de provoquer la police, elles sucent des godemichés. Et elles urinent sur des photos de chefs d'État dans la rue, hein, cul nu. Donc c'est vrai que tout ça, ça fait bander. Ça fait bander, mais grave. Oh là là, mais t'as vu ma télé, tu vois ça, tu fais non, mais il faut toutes les niquer, les aider, bien sûr. Hein, d'ailleurs, recrudescence à l'embauche chez les CRS, hein, depuis qu'elle est fémène. Ah non, mais tout le monde veut être CRS en France, hein, maintenant. Hein. Bon, les gars, nous allons aller sur la manif pour tous, là, à Bastille. Et cerise sur le gâteau, il y aura les fémènes. Ouais. Les types, ils sortent la matraque, ils la lustrent, ils crachent dessus. Ah ouais, ouais. Ah. Voilà, bien, bien, bien. Non, mais les CRS ont énormément de boulot en France, parce que c'est vrai que les Français, hein, le sport national, c'est un peu la grève et la manifestation. Hein, d'ailleurs, on se demande pourquoi, hein, c'est vrai. Hein, on devrait plutôt, au lieu de rouspéter, hein, se dire qu'on n'est quand même pas sous le joug de la dictature. Hein. Hein, on n'est pas en Corée du Nord. Hein. La Corée du Nord, c'est la dernière dictature du monde moderne. Avec la Birmanie, la Tchétchénie, Samsung, Apple et Ikea. Et je peux te dire qu'en Corée du Nord, tu veux t'en sortir, il n'y a rien, il n'y a que dalle. Hein. Même Bernard-Henri Lévy, il a dit qu'il faut sauver la Corée du Nord. Et Bernard-Henri Lévy, c'est pas un con. Hein. C'est pas un con. Bernard-Henri Lévy, il est tellement intelligent, quand il va voir un film en 3D, il n'a pas besoin de lunettes. Hein, et on dit que souvent, derrière chaque grand homme se cache une femme. Là, c'est quand même Ariel Dombal. Hein. Alors, Ariel Dombal, elle a 182 ans. C'est tout en silicone, c'est que du plastique. Hein, d'ailleurs, les écolos ont gueulé, ils ont dit non, à sa mort, elle ne sera ni enterrée ni incinérée, on va la recycler. Faire des sacs poubelles, je sais pas si on fait. Non, mais pour revenir vite fait à la Corée du Nord, c'est vrai qu'en Corée du Nord, tu peux pas t'en sortir, il y a rien, il y a pas d'assédic, pas d'assurance maladie, il y a que dalle quoi. Le seul truc, tu peux espérer essayer de gagner au loto. Mais alors, le loto nord-coréen, pour gagner, c'est très très dur. Il faut avaler toutes les boules et les chier dans l'ordre. Oh non, j'avais pas coché le 8. Et je peux te dire qu'en Corée du Nord, il n'y a pas de... Les jeunes respectent vraiment la police. Hein. C'est pas comme chez nous. Les jeunes ne respectent plus du tout la police. Il y a une montée de la racaille dans les grandes villes. C'est impressionnant. Et moi, j'ai une théorie là-dessus. C'est qu'en fait, c'est à cause des rappeurs. Parce que les rappeurs, à force d'insulter les flics dans leurs chansons, du coup, les jeunes ne respectent plus du tout la police. Ils se disent, bah tiens, si on peut les traiter d'enculés sur les disques et tout, je vois pas pourquoi. Alors moi, ce que je pense, c'est que les flics devraient se mettre au rap afin de rétablir le dialogue avec la jeunesse. Big up à la BAC du 18e arrondissement de Paris. Tchuss à mes frères ripoux de Marseille, à mes frères flics de la police genevoise de Montreux et de tous les cantons de Suisse. Bra, bra, bra. 11h15, t'es encore dans ton plumard, on te réveille, un grand coup de gyrophare, lui c'est Francky, moi c'est Bernard. Bra. Je suis le commissaire Bouchard, mais même ma mère m'appelle connard. On est les rois de l'arnaque, les dépouilleurs de dealers. On arrondit nos fins de mois en faisant respecter la loi. Tu te prends pour Pablo Escobar? Mon surnom, c'est Paul Ricard. T'es fier en Armani? Louis Vuitton en bandoulière? Si t'aimes les marques, on va t'en faire. Coup-tête, manchette, balayette, ne nous prends pas pour la trou de balle de la police municipale. Non! On est les flics de là-bas, qu'on pique ton shit, on te fout des claques. Les kings de l'asphalte, pressement de pneus. Parti claque, tu dis oui, monsieur.
La chanson, c'est ta maison. Un Red Bull, un coup de boule, m'en faut pas plus pour que je dessoule. Les casseurs, c'est mon 4 heures, je te nique ta sœur à coup de taser. T'auras pas besoin de te faire beau, j'ai parfumé un coup de lacrymo. Un coup de gnôle, un coup de flashball, sur mon tofa, je te pète les dents. Tu vas bouffer du tofu dans ton beau survêtement. Et quand je vois le montant de ma retraite, oh putain, j'ai encore plus envie de t'exploser la tête. Respecte ta mère, on va vouloir niquer la mienne. Bravo. Alors et maintenant, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir Jérémy, on est à la moitié du gala et j'ai présenté aucun sketch, c'est normal ? Bah oui, c'est normal parce qu'en fait, il présente le gala avec moi. Moi aussi, j'ai couché avec lui. Quoi ? Bah attends, dis donc, toi, t'as couché avec tout le monde en leur proposant la présentation du gala ? Ah non, moi, il m'a juste proposé un sketch. Hein. Arrête, tu suces comme une déesse. Arrête. J'avais pas connu ça depuis Coluche. Arrête. Allez, t'es calme. Tano, il a couché avec Tano. Il a dit qu'on en parlait. Mais il a couché avec tout le monde alors. C'est qui le prochain artiste? C'est Anne Roumanoff. Anne Roumanoff. Mesdames et messieurs, Anne Roumanoff. Avec Jean-Claude, ça fait 35 ans qu'on est ensemble, puis c'est pas évident, hein. Avant, on se comprenait sans se parler, après on se parlait sans se comprendre, puis maintenant on comprend qu'on se parle plus. Bah, en plus, on dit que le sexe aide à supporter le reste, mais nous, au niveau du sexe, il y a plus que des restes. Ah bah, niveau quéquette, c'est plus ça, hein. Bah, les hommes, passés un certain âge, c'est comme les batteries d'iPhone. Ça se décharge vite, puis c'est long à repartir. Pourtant, on fait des efforts pour relancer la machine. On essaye des nouvelles positions. Je lui gratte le dos, il s'endort. On fait des jeux érotiques. Je cache la télécommande. Il doit la trouver. J'ai même commandé des accessoires coquins sur Internet. J'avais commandé un bandeau, tu te le mets sur les yeux, puis ça démultiplie les sensations érotiques. Mais lui, il a voulu me le mettre sur la bouche pour que je me taise. Sinon, au supermarché, j'ai acheté le gel Durex Plaisir Sauvage. Tu te l'étales, puis ça t'enflamme de partout. Mais lui, il voit rien, alors il s'est brossé les dents avec. Il s'est enflammé des gencives. Il a gueulé pendant 3 jours. Il avait une dent qui tenait pas bien, elle est tombée. On a dû remplacer la dent, ça a coûté un bras, c'était pas le pied, hein. Non, sinon j'avais vu dans un film, il s'enduisait le corps avec du chocolat fondu, puis il se léchait. Mais bon, il a du cholestérol, alors... J'ai pris de la fruit d'or proactive. J'ai saupoudré de Nesquik en poudre. Il me dit « Oh, ça glisse !» J'ai l'impression de sauter une pomme de terre pas cuite. Non, sinon j'avais vu dans un film, il se mettait un peu de champagne dans les zones érogènes. Mais j'ai dit à Jean-Claude, dis, on va pas gâcher une bouteille pour ça. Hein. J'ai pris de la Cronenbourg. Je sais pas si c'est le réflexe de Pavlov, mais rien que l'odeur, il a roté, ça m'a tout coupé. Alors, j'ai une amie, elle est divorcée, elle me dit, oui, qu'est-ce que tu t'embêtes avec un bonhomme, fais comme moi, divorce. Je m'éclate, tu verras comme je m'éclate. Elle s'éclate tous les soirs à 8h. Elle prend en photo ce qu'elle mange. Puis elle le poste sur Facebook avec écrit un bon petit repas pour moi toute seule. Qu'elle éclate.
Bah moi aussi, à ce compte-là, je pourrais prendre une photo de Jean-Claude qui fait la gueule en mangeant. Oh, un homme qui fait la gueule pour moi toute seule. Ouh. Non, alors à un moment, je me suis dit, bah si c'est ça, Françoise, tu vas te débrouiller par toi-même. J'ai été sur Internet, sur un site d'adultère pour adultes consentants géolocalisés. J'ai rempli mon profil et très vite, bon, j'ai bien sympathisé avec Étalon Sauvage 18. J'avais peur qu'il ait 18 ans parce que j'ai mis que j'en avais 38, mais pas du tout. C'est géolocalisé, c'était 18e arrondissement. Puis à un moment, on sympathise bien, je lui dis « Étalon Sauvage, m'enverrais-tu ta photo ?» Signé Foufoune Électrique. Il m'envoie sa photo pour être géolocalisé. C'était géolocalisé, hein. C'était mon fromager. Le Étalon Sauvage, au moins qu'il connaît bien, il tient plus du poney en captivité, hein. Puis il faut voir la tête de la jument, hein. Ben moi, j'ai jamais pu retourner acheter du fromage là-bas. Je me voyais pas arriver, 200 grammes de Roquefort, Étalon Sauvage, grr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 
bonsoir, bonsoir à tous. Merci, merci mille fois pour cet accueil. Je suis très ému de jouer devant vous ce soir. Parce que parfois la vie fait des petites surprises et je viens d'avoir un petit garçon. Ouais, c'est un truc de fou. Je suis tellement content, mais il est magnifique, il est beau, que je l'aime, il a 3 ans et demi maintenant. Mais c'est sympa d'avoir applaudi, vraiment. Non, ce qui est vraiment chelou sur mon fils, c'est que mon fils est un grand blond avec la peau claire. Voilà. Tous les jours, je regarde, je lui dis « Hey, je veux bien t'aimer, hein, c'est pas ça la question. Mais dis-moi, qui est ton vrai papa ?» Un grand blond avec la peau claire. Mon fils, il ressemble tellement à sa mère, je crois que mon spermatozoïde, il s'est fait refouler à l'ovule. C'est sûr, ça devait être un vieux spermatozoïde tout pourri, tu sais, qui était tout seul dans son coin, comme ça. Tous les valides, ils étaient laissés éclater sur des mouchoirs, donc il restait que celui-là, forcément. Bah oui, mais donc plus le choix. Mais vraiment moisi, avec un flagelle en bois, des bandelettes autour. S'il vous plaît. Fais bébé. Et c'est pour ça que mon fils me ressemble pas du tout. Par exemple, il est très très grand, vraiment. Quand il est né, il faisait 55 cm. Voilà, c'est ça, ça parle à personne. Donne-nous des chiffres, connard, qu'on puisse comparer. C'est énorme, 55 cm, c'est 20% de plus que la moyenne. C'est-à-dire que le jour de sa naissance, à la maternité, il y avait un bébé, un bébé, un bébé, mon bébé, un bébé, un bébé, un bébé. J'ai essayé de le porter, j'ai pas réussi, il était trop lourd. Tu vois, pourtant, hein ? Ouais, je vous emmerde. Donc j'ai essayé de le porter. J'ai essayé, j'étais là, je suis allé ! Oh putain ! Oh, mais il pèse combien ? Eh ben, 80 kilos, je suis l'infirmière de garde, monsieur. Votre fils, il est juste à côté, ça vous dérange pas de me reposer, là ? Et puis pareil, quand il avait 1 an et demi, il faisait la taille d'un enfant de 3 ans. Et j'étais tellement fier de ça. Je sais que c'est con. Je sais pas s'il y a des papas dans la salle, mais vraiment, quand ton fils est grand, il y a un côté... C'est, ça n'a pas de logique ultime. Mais moi, je me baladais au square avec ma créature, j'étais là... Ouais, il a du sang de grizzly. Ouais. Sauf que tous les enfants qui faisaient sa taille, ils avaient 3 ans. Donc ils faisaient de la trottinette, des pirouettes. Le mien à côté, 1 an et demi. Ah ben non. Donc moi j'étais fier, mais tous les autres parents ils me regardaient, ils faisaient « Oh, ça doit être dur pour vous, vous l'avez gardé, c'est bien !» Je suis très investi auprès de mon fils, vraiment j'adore, je l'emmène au square tout le temps, c'est un truc que je fais beaucoup, je suis pas le seul, hein. Il y a de plus en plus de papas dans les squares, c'est vraiment, c'est pour ça que c'est le bordel d'ailleurs quand il réfléchit en réalité, hein. Parce qu'il y a des papas. Bah les gars, hey, du temps des mamans, les squares c'était organisé, on est d'accord. Souviens-toi, quand il y avait un gamin qui montait trop haut, il y avait toujours une maman en bas pour lui dire « tu descends, regarde-moi, tu descends. Ne m'oblige pas. » T'as vu maintenant, il n'y a plus que des papas qui font « Allez, vas-y, plus haut, putain, lui, il y arrive, tu peux !» Pareil, 16h, l'heure du goûter, du temps des mamans, c'était une pub Kinder le soir. C'était tellement organisé, tout le monde avait son goûter. 16h, du temps des papas, il n'y a plus que des mecs qui font « Merde !» Avec des enfants à côté « Pourquoi elle a oublié mon goûter ?» Et puis qu'est-ce que tu veux répondre à ça? Pourquoi j'ai oublié ton goûter? Bah, parce que je suis pas maman. Bah ouais, je ne pense à rien. Allez, mouche-toi. Mouche-toi dans ton pull. Et là, vous êtes invincible, les femmes, mais vraiment invincible, c'est pour la négociation. C'est quand c'est l'heure de rentrer à la maison, le soir, il y a toujours un enfant qui veut pas. Il y en a toujours un qui est au milieu en train de se rouler par terre. Le fils du diable. Mais vous, vous arrivez à le gérer. Parce que vous, vous avez la technique ultime, vous avez la technique du « tu veux pas rentrer à la maison ?» Eh ben écoute, très bien, tu restes là. Moi, je vais rentrer toute seule et toi, tu vas dormir tout seul dans le square, dans le noir. Et peut-être je viendrai te chercher demain. Peut-être. Mais oui, mais ça marche. L'enfant, il finit toujours par suivre. T'as déjà vu un papa faire ça ou pas? Moi, j'ai vu. Le gamin, il a regardé son père, il a fait... Et comment tu vas expliquer ça, maman? Débutant. Vous êtes tellement meilleurs que nous, les femmes, tellement. Ma femme à moi, elle a accouché d'un 4,5 kg. 4, les mêmes. Bah, donne-nous des chiffres, putain. 4,5 kg. Je sais pas si tout le monde s'en rend bien compte de ce que c'est 4,5 kg. Quand toi, tu fais un gros caca, t'as mal aux fesses, ok?
Voilà, là, je vous laisse quelques secondes. Hein, le temps de vous dire, j'ai déjà fait un caca de 4 kg 5. T'as déjà posé ton caca? J'étais bourré, ça va? Ah, les femmes, vous êtes vraiment meilleures que nous. Vraiment, je le pense réellement, hein. Vraiment, je le pense. C'est pas une blague. C'est pas un truc, dans 2 secondes, je vais faire, mais non, toutes des putes. Pas du tout. Non, vraiment, je suis persuadé que les femmes sont meilleures que nous et vous devez prendre le pouvoir. Pourquoi? Parce que ça fait 3 millions d'années qu'on évolue, 3 millions d'années que l'être humain est le sommet de la chaîne alimentaire, et ça fait 3 millions d'années que c'est nous, le sexe fort. T'as vu où on en est aujourd'hui? On peut laisser les filles essayer ou pas? Au bout de 3 millions d'années d'évolution, quand t'as un truc qui marche pas, tu tapes fort dessus? Putain, il est beau l'être humain. Au bout de 3 millions d'années d'évolution, quand ton téléphone il capte pas, tu parles fort dedans? Vraiment, sans déconner, t'as pas envie de les tuer les mecs? Je suis dans le train! Dans le train! Dans le train! Non, dans le train! Je suis dans le train! Dans le train! Attends, je vais bouger! Hé, hey, connard, le train bouge à 300 km/h! Il y a très peu de chances que tu fasses mieux que le TGV! Mais essaye, peut-être un jour on verra un mec à la voiture barre, je capte! Mais pour l'instant, non, pour l'instant, c'est je suis dans le train! Avec tout le wagon derrière, on est d'accord, il est dans le train là! T'as envie de prendre le portail, de faire cette personne est dans le train, d'accord? Qui que vous soyez, croyez-le! Et dans le train! Sachant que de l'autre côté, le mec il entend. Et dans un! Un, en un! Bah, il est heure à 14. Tu vas me chercher avec R? Bah non, mais dis-moi, moi, parce que sinon, dans ce cas-là, je suis. Hop, et. Ou mardi, hein? Allô? Bien sûr que je t'entends. Ah, toi, tu m'entendais pas? Tu m'entendais pas, c'était ça, d'accord, ok. Bah, alors là, tu m'entends, c'est cool. Alors, ce que j'essaie de dire. Or, elle, Izou. 3 millions d'années d'évolution. Pareil, je pense qu'il faut qu'on se mette tous d'accord là-dessus. Et c'est là-dessus que je vais terminer, mais vraiment qu'on se mette tous d'accord. Au bout de 3 millions d'années d'évolution, je sais qu'il va y avoir des gens que je vais rendre tristes ce soir, je m'excuse. Il va certainement y avoir des larmes, d'accord? Mais tous, on doit le savoir, quand il n'y a plus de piles dans la télécommande. Tous, ok? Quand il n'y a plus de piles dans la télécommande, il n'y a plus de piles dans la télécommande. Point final, ça sert à rien d'appuyer fort sur les boutons. C'est pas du dentifrice. Oh, mais il doit rester encore un peu de jus. C'est comme si l'électricité à l'intérieur des piles, elle allait faire. Non, là, faut y aller, là. Si, je le connais, quand il est énervé comme ça, là, il appuie fort. Après, il va ouvrir la trappe, il va nous rouler les piles. Ouais, je vous laisse là-dessus. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Bonne soirée. Perino! C'est beau, c'est magnifique. C'est sensationnel, c'est tellement... Montreux. Oui, c'est Montreux. Oui, c'est Montreux. Oui, c'est Montreux. Montreux. Start spreading the news. I'm leaving today. Il est temps d'accueillir le prochain artiste de la soirée. Nous avons le plaisir d'accueillir Raphaël Mesrahi, qui va interviewer notre président de la République, François Hollande. Je dis notre président, puisque comme vous changez tous les ans, vous n'avez aucune idée de qui c'est actuellement. Raphaël Mesrahi et François Hollande.
Bonjour, monsieur le président de... La République. Bonjour, monsieur. Je suis content de vous voir parce que, bon, bah, je vous ai jamais vu. Et aussi, je suis content parce qu'on a des points communs. Bah, moi aussi, je suis stagiaire, mais journaliste. Avec votre métier, oh, vous devez prendre des décisions. Un peu comme moi. Alors, laquelle vous avez prise, lesquelles vous ne prendrez pas, et lesquelles vous ne savez pas qu'on vous a dit que vous prendrez. Je vais vous répondre. Vous savez, je suis actuellement à mi-mandat. Ami mandat, bois donc ton verre, renversera. Ensemble, nous allons faire de grandes réformes. Jean Danguilis, François Hollande, il ne pourra pas les appliquer, ces réformes. Je l'ai entendu. Vous aussi. Mais moi, je dis non. Plutôt, si. Alors, si vous en êtes d'accord, prenons les problèmes secteur par secteur pour être en prise avec mon courant. C'est vrai, vous avez raison, l'éducation, c'est important. C'est moi, je me souviens une fois, bon, j'étais en 4e D, alors, trois dans l'eau, mais j'ai un prof de maths, mais c'était pas du tout prévu, c'était ça qui était intéressant. C'était un lundi, et donc, on n'était pas du tout préparé, hein, évidemment, c'était pas prévu. Et à un moment donné, il y a le prof qui dit, ah bah, vous avez une demi-heure pour finir. Et moi, je dis, bah, pour finir quoi? C'est important, l'éducation. L'école, j'en ai fait mon cheval de bataille. C'est pas pour rien que dès mon investiture, j'ai rendu hommage à Jules Ferry, qui a beaucoup fait pour la République. C'est bien grâce à Ferry qu'on peut aller en Corse en bateau. Ma priorité sera de lutter contre l'illettrisme. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, à cause de la politique catastrophique de la droite, 50% des écoliers croient que le petit poussait parce qu'il était constipé. Mais avec moi, grâce au changement, ça va changer. Ce qui nous changera. Je vais faire en sorte qu'avant 2016, chaque enfant de 22 ans sache lire et compter en sortant du CM2. Et si ça marche pas, ils pourront toujours intégrer l'équipe de France de football.
Vous avez déclaré le 12. Je me souviens plus du mois. Alors, c'est... alors mes parents, l'hôpital, la santé, vous dites, j'en fais mon cheval de bataille, quoi, vous n'avez pas répondu. Si, mais je vais répondre. Les Français ont le droit de connaître ma réponse, et vous aussi. J'en fais mon cheval de bataille. Les injustices, comme ça, pour les malades, tout ça, etc. Oui, les injustices. Il y a des bègues qui, chaque mois, explosent leur forfait de portable. Des aveugles qui ont des chiens sourds. Et des sourds qui ont des chiens aveugles, d'où les accidents quand ils se croisent. Et les alcooliques. Les alcooliques, il faut les aider. Et pas seulement Martine Aubry. Alors, on va parler aussi, on peut parler des personnes âgées et tout ça. Parce c'est que important. Moi, j'ai ma cousine Dolores Boudboul qui est sa mère en maison de retraite. Bon, bah, elle en fout pas une. Hein. Pourtant, bon, bah, là où elle est, bon, il y a plein d'endroits où elle pourra faire des trucs, pas loin. Bon, par exemple, il y a un terrain de cross, terrain de rugby, bon, c'est toujours vide. Hein. Mais ça aussi, je l'ai dit, je me suis engagé auprès des Français. Je me dois de les aider, ces personnes. J'ai dans certains hospices que j'ai visités, c'est touchant. Il y a des petits vieux qui, le soir en se couchant, mettent leurs dentiers sous leur oreiller, des fois que la petite souris passerait. Mais il faut les occuper, leur trouver des occupations pour qu'ils s'occupent. Je veux organiser des jeux, faire un grand damier dans la cour et faire jouer les incontinents, les jaunes contre les marrons. Ça, ce sont des réformes. Alors, par rapport aux guerres, parce que les guerres, c'est important quand même d'en parler. C'est pas bien. Ben oui, mais c'est pas bien. C'est moi, pas je... bien. Oui, mais ben c'est pas bien. Je mais... le redis, c'est oui, pas bien. Oui, mais enfin, c'est pas bien. Mais c'est pas bien, la guerre. J'ai pas fini ma Yannick phrase. Yannick Noah le dit tout le temps. Oui, il y a Patrick Bruel qui le disait aussi. Il y a Patrick Bruel aussi. Il y en avait d'autres encore, j'avais vu. Mais c'était sur... même à l'époque d'Anne Sinclair, il y en a plein qui disaient des trucs qui... Sur la guerre. Sur la guerre, c'était con. Parce que c'est pas bien. Oui. Alors, vous êtes plutôt pour, réponse A, contre, autre. Autrement, qu'est-ce que vous comptez faire? C'est une question très intéressante, je vais y répondre. La guerre, je suis contre. Vous savez que j'avais décidé de retirer nos troupes d'Afghanistan pour les envoyer au Mali. Mais la France a toujours été généreuse. À Kaboul, en partant, on leur a laissé nos toiles de tente pour habiller leurs femmes. Alors, autre chose, alors, si vous étiez un dessert, vous seriez plutôt une religieuse, une tête de nègre ou un gland? Un petit peu les trois à la fois, je pense. Un gland quand même aussi. Mmh. Une tête aussi. Une tête de gland. Mmh. Mais j'apprécie votre question. C'est gentil. Alors, autrement, on a un autre point commun. Bon, on est écolo tous les deux. Moi, chez moi, j'ai plus de papier dans les toilettes. Et vous, qu'est-ce que vous faites pour l'écologie? Jean d'Anguilise, les éoliennes, ça gâche le paysage. Mais avec Ségolène Royal, on a trouvé la solution. On va les enterrer, les éoliennes. Comme ça, tout le monde sera content. Alors, on va parler d'autres choses. Alors moi, quand j'étais en 4e D, bon, à 3 dans l'aube, il y a mon copain Dedel, bon, c'était lui le chef de classe. Et je me rappelle, au bout de 6 mois, on lui disait, on a quand même l'impression que t'en fous pas une, quand même. Et vous? Si! Vous savez, j'ai de grands projets. Oui, c'est ça, vous en avez. Enfin, mais pour la France. Oui, pour la France.
Alors, autre chose. Ah ouais, mais alors là, c'est le moment où j'avais gommé tout à l'heure, et là, je sais plus. Tu vois, c'est écrit autre ah oui, chose, autre chose, et là, j'ai gommé. C'est gommé. J'ai gommé, on peut mettre. Ben, c'est gommé. Peut, voilà. C'est gommé. Ben oui, mais là, j'ai mis autre chose, quoi. Mais là, c'est, après, c'est gommé, quoi. Ah oui. Quand alors, gommé, autre chose. Qu'est-ce que vous en pensez en général? Voilà une question de fond à laquelle je vais m'empresser de répondre. Mon objectif, c'est de faire baisser le chômage. Quand on pense qu'il suffirait qu'il y ait du travail pour qu'il y ait de l'emploi. Et en ce qui concerne l'euro, alors? Oui, je sais. Vous savez que l'euro perd de sa valeur. Par mesure d'économie et pour économiser du papier, nous allons réduire la taille des billets de banque en euros. En revanche, nous allons agrandir la taille des rouleaux de papier cul parce que vous n'avez pas fini d'en chier. Merci. Ben merci, Monsieur le Président de ben la République. Qu'est-ce que c'est cette merde encore là? Mais arrêtez de dépenser l'argent du festival de Montreux qu'ils ont soigneusement gagné en préservant l'or nazi pendant la Seconde Guerre mondiale. Arrêtez de faire ça enfin! Wouh! Joyeux anniversaire Montreux! C'est ridicule, arrête! Mais non, mais ça ne marche pas. Caroline, arrêtez de l'encourager. Caroline, écoute, quoi? Je voudrais déjà qu'on fasse la paix parce qu'on a été très violents l'un avec l'autre tout à l'heure. Oh, et je voudrais, voilà, on arrête ça. Maintenant, c'est fini. Mais tu vois, si tu veux faire ça, il faut le faire bien. Ça, c'est la fin du gala. Tu es la princesse de ce gala, tu comprends? Il faut que tu arrives. La dernière, on va faire revenir les artistes et en dernier, là, on te fait sortir du gâteau. En dernier, tu comprends? Mais oui, c'est normal. Tu es la cerise sur le gâteau de ce gala, quelque part. Hein? Alors, d'accord, mais vite, hein, parce que c'est vraiment. Bien sûr, c'est pas confortable, je comprends bien. Donc, tu te remets là-dedans, on fait ça correctement, à la hauteur de ton talent, Caroline, c'est normal. Hein? Allez, tu ne bouges pas. Qu'est-ce qui se passe? Hein, je mets les bougies. Mesdames et messieurs, vous avez assisté au gala d'ouverture des 25 ans du Montreux Comédie Festival. Avec ce soir... Laurent Gérard! Raphaël Mesrahi! Seconde.